Salut tout le monde, on se retrouve pour ce troisième épisode sur Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre. Donc je tourne celui-ci directement après, après l'épisode 2. Et donc on est toujours avec Emile, le toutou et l'américain. Voilà, Walt, le chien et l'américain, je me rappelle plus de son nom. Mais c'est pas grave. Walt. Et donc là, on va aller poursuivre le Zeppelin. Oh punaise. Ok. Cool, il y a du gaz qui nous poursuit. Ah, j'ai loupé un objet, dommage. Plan d'installation des bonbonnes de gaz. Un plan associé a été un plan associé et un relevé météorologique. L'installation des bonbonnes de gaz est simple, mais la mise en œuvre dépend des conditions météorologiques, en particulier du sens des vents. Ils doivent être porteurs et soufflés de manière constante vers les lignes ennemies, sinon le gaz risque de se retourner contre les expéditeurs, ce qui est arrivé plus d'une fois durant la guerre. Oui, on se casse. Là, c'est un course contre la montre, c'est ça? Ok, descends-le. Vite, faut aller voir ce qu'il y a là. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Chaco belge. Chaco, couvre-chef de soldats belges, était caractéristique. Il rassemble un haut de forme avec une visière. Il fut rapidement remplacé par le képi de l'Isère. Ce képi est une casquette molle avec des pans rabattables sur les oreilles. Ce nom Isère vient du fait que tous les soldats belges se sont massés derrière le fleuve Isère pour résister aux Allemands. Ok, il faut prendre ce truc. Il faut l'amener. Ok, il faut mettre le chien dedans. Voilà. Va dedans. Hop. Ah, il est en bas le levier. Je l'ai... Non, il est pas en bas. Il est où le levier? Il est où le levier? Je crois qu'il est quelque part, mais il faut le balancer. Que ça va marcher ça. Non. D'accord. Je ne vois pas où se trouve le levier, c'est ça le problème. Putain, il est où ce putain de levier là? Oui, j'arrive. C'est moi ou il y a un truc là? Non, c'est moi. Oui, 2 secondes. Je suis en train de chercher ton putain de levier. Il y a une montre qui est là. Oui, non, je...
Non, ça ne fait rien. Ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. Je sais pas, je prends ça, j'en sais rien du tout, mais je prends ça quand même. Je ne vois pas où se trouve le levier, ça m'énerve, parce qu'il faut forcément un levier pour ça. Ouais, je suis d'accord, mais... Il est où ce levier à la con, là ? Ah, mais attendez. Passe-moi ça. Non, 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 non. Ça, c'est pas possible, je ne veux pas. Ok. Tu veux que je mette l'os dans le... Non, ça va pas marcher. Ah bah si. D'accord. Je pouvais tout rechercher. N'importe quoi. Chercher un levier, en fait c'était l'os. Et les gens qui disent qui devaient crier d'erreur passer. Non mais prends l'os, teste-le. Alors montre à Gousset, c'est le seul moyen de connaître précisément l'heure sur le front pour rythmer la vie quotidienne. À l'époque, le paysan se basait sur le rythme du clocher. Sur le front, la pression horaire est un facteur stratégique. L'avancée des soldats doit être totalement synchronisée avec les barrages roulants tirés sur des kilomètres en arrière. Wow. Ouais, il faut mieux courir. Vite, vite. Ouf. Ah, l'infirmière. Leur sauveur s'appelait Anna. Étudiante belge venue passer son doctorat à Paris, Anna était sur les traces de son père disparu. Le destin semblait pour une fois leur être clément. Ils faisaient route dans la même direction. C'est en approchant de Vimy que leur route croisa celle d'un convoi aérien allemand. Wow, 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 ok. Youhou! Mais lâchez-nous quoi. Il y a une croix rouge sur la voiture. Pourquoi vous tirez sur les ambulanciers? Waouh, 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 wow, c'est dangereux. Ah merde. Oh. La voiture reste plus grand chose hein. Il y a le zeppelin. Oh punaise, c'est sur une mine. Oh 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 oh. Oh là là. Oh
Oh merde. Bon bah, plus de voiture. Ah merde, non, non. Freddy, voilà, putain, c'est ça son nom, Freddy. Comme Freddy Krueger, quoi, faut pas que j'oublie. Ça va aller, allez. Emile, allez. Ah, faut que j'aille à l'ambulance. En plein, dans plein de lignes ennemies. Donc on est où là? Ça a pas été marqué, c'est cool. Ah merde, je pensais qu'il était derrière le sac de sable. Pas compris que je devais faire. Parce que faut que je démolisse le truc là. Non 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 non, fais pas le con. Ah ben voilà les grenades. Voilà, c'est ce que je cherchais, il y avait un truc à lancer. Toujours avec sa louche. Il y a qu'un truc. Ok, ils font ça des allers-retours. Tout avec son tracteur encore. Faut que je regarde s'il n'y a rien de ce côté. Ouf.
Allez, vas-y. Ok, il y avait un objet. Périscope. Afin de pouvoir observer les tranchées adverses sans exposer les officiers et les soldats, les soldats avaient recours à des périscopes portatifs, un montage de miroirs qu'on pouvait hisser par-dessus le parapet sans risquer pour sa santé. On se casse. D'ailleurs, ils sont en train de faire les tranchées. Les soldats ne sont pas égaux vis-à-vis des tranchées. Les Allemands ont aménagé très tôt leurs tranchées en coulant des structures solides à l'aide de béton et des ferrailles, alors que les alliés pataugent encore dans la boue. Le cycle de relève côté français en est peut-être une des raisons. Les soldats restaient en première ligne entre 4 et 7 jours, puis étaient relevés. Les soldats allemands, eux, étaient affectés par un secteur unique et restaient parfois plusieurs mois, ce qui les poussait à mieux s'installer. D'accord. Vas-y. Bon, je vais attendre qu'il repasse. D'accord, putain, je dois faire des allers-retours entre le machin. Peut-être qu'il faut aller chercher les pinces. Eh ben, allons, on n'a pas fini d'être ici. Hein. J'ai que ça à faire de courir. Ah, la pince est là. Donne-moi la pince, donne-moi la pince. Bon chien. Ouais, on va les attendre qu'ils passent parce que là, c'est risqué. Pourquoi ils bossent les... Ouf. Je me doutais qu'il y avait un truc. Une gourde. Gourde tirailleur. La soif est terrible sur le front. Le ravitaillement en première ligne n'est pas forcément régulier. Les soldats sont
ont eux sur eux des bidons dans lesquels ils transportent de l'eau, mais aussi du vin. Certains ont également des gourdes ou des outres en peau de bête moins lourdes à porter. Ah, le labyrinthe, Vimeux et Neuville-Saint-Vaast sont deux positions allemandes rapidement fortifiées. Une multitude de tranchées de boyaux sont reliées à des salles souterraines où se reposent les soldats, d'où son surnom de labyrinthe. C'est une position clé que les armées françaises, britanniques et canadiennes tenteront de prendre à nombreuses fois sans succès. Les pertes sont tellement importantes que la position est déclarée imprenable fin 1915. Ouais, tu m'étonnes. Il y a le Zeppelin qui est là-haut, là. Ah, il est sur la maison, le mec. Vite, on se magne. Allez, 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 allez. Voilà. Oh le bon petit chien. Coucou. Merci. Ouais, c'est un soldat africain. C'est un soldat africain, ça. Ah, c'est pareil que le chien va, doit aller chercher la... Oh punaise. Psst. Allez, on se magne. Chut, 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 chut. Non, tu m'as pas vu. Tu dormais, c'est une illusion d'optique. Ça, faut que j'aille le mettre là. Il y a quoi par là? Fiole de névrosténine. Face aux baisses de morale et de forme des soldats, les médecins pratiquaient parfois des injections névrosténine. Ce mélange de magnésium et de potassium est censé donner un coup de fouet. Alors, en fait, il est drogué, quoi. Brave chien. Allez, magne-toi, magne-toi. Ça explose, les gens ne disent pas pourquoi. Mmh.
Ah, d'accord. Merde! Il s'est retourné ce con. Genre, ah la triche. Allez. Un vrai labyrinthe quoi. Le truc, je sais pas trop où le lancer en fait. Ah merde. Ouais. C'est bon, j'ai compris. Je pensais que c'était pour attirer l'autre soldat, mais en fait c'est pour attirer celui-là. Ok, on va reprendre, on va refaire. Le labyrinthe. Moi j'aimerais bien un jeu, un genre de FPS ou tout ça, un peu à la... Je dirais pas Wolfenstein ou autre, mais un jeu moderne. Enfin, peut-être un Call of Duty ou tout ça, mais pas un Call of, hein, je parle du type de jeu. Comme sur la Première Guerre mondiale, ça serait cool. Où on doit s'infiltrer et tout ça. Je suis sûr que ce serait intéressant. Et merde. J'aurais dû lancer plus près. Oui, mais tu me fais chier avec ton ton aide là. Voilà. Par boîte de sardines. Ah bah j'en ai loupé un. Les soldats étaient tous nourris par leurs armées respectives, mais ils recevaient aussi des colis de l'arrière contenant de quoi améliorer leur quotidien. Les conserves de poissons ou de pâté leur permettaient de manger de plus en plus mieux, manger plus et mieux qu'à l'ordinaire. D'accord. J'ai le levier. Dors, petit dors.
Allez, oui. Comment je fais pour l'avoir? Je peux pas passer. Ah non, attends. Peut-être dans l'autre sens. Alors, il se met obligatoirement dans ce sens-là. J'arrive pas à le frapper. Je ne comprends pas trop comment... je peux pas l'assommer. D'accord. Déjà. Coucou le toto. Tu vas me chercher l'objet. Pièce britannique. Les soldats étrangers recevaient leur solde dans la monnaie de leur pays et leur compensation en monnaie locale. À partir de leur salaire était retenu directement à la source et réservé à leur famille. Les Britanniques touchent 1 shilling par jour sur lequel des déductions s'appliquent et 20 francs tous les 15 jours. Le shilling remplacé en 71 correspondait à peu près à 70 pence, soit à un peu moins d'un euro. Ah ouais, c'était moins payé que les Français. C'est quoi une cabine de douche? C'est vraiment un labyrinthe le machin. Alors, ça c'est censé tourner. Ok. Il y a un crochet là. Je sais pas si c'est ce qu'il est censé faire. En fait, je crois qu'il faut accrocher le chien, mais alors je sais pas comment l'emmener. Non. C'est bizarre. Ah peut-être, attends, je suis con aussi moi. Vas-y, prends-le ton truc là. Allez. Faut pas accrocher le chien. Ah.
Ah, c'est la roue, d'accord. Allez. Non, pas besoin de creuser là. Oh, bon, non. Attends, le chien peut pas venir avec moi. Ok. Excusez-moi, j'ai un retour Windows. Alors. Oh, l'autre ça, d'accord. Il s'amuse à... Ah, c'est son père, le professeur. Le baron von Dorf leur avait encore échappé. Mais Emil avait quand même réussi à trouver les médicaments pour Freddy. Ils repartirent rapidement. Au terme d'un périple qui les mena jusqu'à Reims, ils finirent par retrouver la trace de l'insaisissable baron von Dorf et de son dirigeable. On va se laisser ici, c'est la fin de l'épisode 3. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Ça bouge un peu mieux que les épisodes précédents. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à dire ce que vous en pensez. J'aime bien que vous mettiez les commentaires, comme ça je peux les lire et je peux vous répondre. Donc on se retrouve à l'épisode 4 et je vous dis ciao tout le monde. Allez, bye.